La bibliothèque de Petite-Rosselle participe à tous les événements départementaux. Elle organise notamment des week-ends autour des jeux de société en français et en allemand qui ont permis de rassembler 230 personnes. La bibliothèque développe des liens avec les seniors et l'EHPAD où est organisé un dépôt de livres. Marie-Thérèse Adam, responsable de la bibliothèque, va vous parler de son action à Petite-Rosselle. Oui, ça a toujours été une passion depuis la petite enfance. Et donc cette passion, j'ai envie de la partager. Alors ça va faire 30 ans que je suis dans cette bibliothèque. D'abord comme bénévole, et puis salarié, à mi-temps. Les gens aiment venir ici. La bibliothèque, c'est un lieu de rencontre, un lieu d'échange entre les gens, avec nous aussi et les bénévoles. Voilà. C'est pour ça que c'est un lieu important. Il faut être partout dans la commune, en même temps que toutes les animations possibles. Il faut être représentatif de ce qu'on fait dans la commune et toujours faire la promotion de la bibliothèque, encore et encore et encore. Les seniors, c'est au niveau de l'EHPAD. Je me déplace à l'EHPAD. Ici, nous n'avons pas beaucoup d'espace pour les fauteuils roulants. Donc, il y a des escaliers. Donc, c'est moi qui vais me déplacer avec deux grandes valises une fois par mois. Et je suis très attendue. Je fais, surtout lors des accueils de classe, je me réserve un temps pour lire une histoire aux enfants, voire deux, voire trois, selon le temps disponible. Ils aiment ça. D'autre part, la bibliothèque a depuis 2012 un partenariat avec la bibliothèque de Nassweiler en Allemagne pour le prêt de documents entre adhérents des deux côtés de la frontière. On est jumelé avec une petite bibliothèque de Nassweiler. Nassweiler, c'est une commune avoisinante à 6 km d'ici, en Allemagne bien sûr. Et donc nous procédons à des échanges avec ma collègue allemande. Ce sont des échanges gratuits. Elle s'occupe de me procurer des livres en allemand. Et je lui procure des livres en français selon ses besoins, selon l'attente de ses lecteurs. Je suis contente d'être là et pourvu que ça dure.